Y est pas tout le monde, y est pas, bonjour. Alors aujourd'hui, ma curiosité s'est portée sur le sujet d'entreprendre. Et quelles pourraient être les opportunités d'entreprendre en passant par une société de portage salarial? En d'autres termes, voilà, quelles sont les opportunités de passer par un intermédiaire en portage salarial pour le consultant? Alors dans ce cast audio, je l'ai plutôt dirigé de façon à à s'adresser en fait à ceux qui recherchent des opportunités pour concrétiser leur projet d'entreprendre. Alors, si je devais citer le portage salarial et notamment les plus du portage salarial, qu'est-ce que moi j'y vois? Alors, dans les plus du portage salarial, je dirais que déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que la raison pour laquelle ça attise ma curiosité, c'est que c'est un marché en pleine croissance en France. La croissance, elle est exponentielle de ce marché. En plus de ça, elle offre la possibilité d'opérer dans un cadre, on va dire, réglementaire strict. Vous avez vraiment des contrats de travail qui vous permettent de travailler à l'étranger. Alors les plus, en fait, du portage salarial, je dirais que pour moi, c'est une solution simple, rapide, normalement administrative de gestion de votre statut et donc d'encadrement de votre statut. Par là même, vous gardez le bénéfice de rester freelance, mais vous êtes freelance avec un statut salarié. Donc, le porteur, en fait, il va vous fournir un contrat de travail pour gérer votre relation contractuelle. La société de portage, de cette même façon, du coup, elle éditera vos bulletins de salaire. Et en plus de ça, les plus, moi, je dirais, c'est que, en fonction de votre expertise ou pas, elle vous donne la possibilité de bénéficier d'un accompagnement. Voilà, pour vous aider à trouver votre expertise, développer votre réseau, par exemple, au travers, en fait, des groupes d'échanges et de pratiques, etc., etc. Ce qu'il faudra retenir en plus, c'est que les plus du portage salarial pour un consultant, à mon sens, sont la protection sociale et également la souplesse. Voilà. Alors, portage salarial ou micro-entreprise? Alors, moi, je dirais que la limite de la micro-entreprise, c'est que c'est un statut qui est un peu délicat de par ses seuils. Voilà. Ces seuils font que le statut de micro-entreprise, c'est plus un statut qui va correspondre, à mon sens, à des activités complémentaires. Puisque une fois que vous passerez ces seuils, vous allez passer automatiquement dans des régimes d'imposition qu'on va dire réels simples ou réels normales. Donc en fonction des seuils que vous dépasserez. Donc c'est important de bien analyser le risque et les opportunités d'opter pour un statut plutôt qu'un autre. Alors, la grande question. Quel est le statut à privilégier quand on a été cadre dans la vie ou quand on a été consultant? Donc, à mon sens, le portage salarial, en effet, peut être une opportunité, mais néanmoins, je vous laisse en faire l'analyse par vous-même. Pourquoi? Parce que peut-être que le portage salarial ne sera pas adapté à votre cas de figure. Donc, en fonction de votre cas de figure, faites-vous votre propre analyse des forces, faiblesses, menaces et opportunités du portage salarial. Et puis, n'hésitez pas à consulter mes autres castes. Voilà, qui porte également sur le développement du portage salarial, ça peut vous aider à prendre les bonnes décisions. Je vous dis à bientôt, y est pas, osez entreprendre, osez potentiellement le portage salarial. Potentiellement, je dis bien, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités à aller rechercher celle qui est adaptée à votre cas de figure. Je vous dis y est pas, bonne journée à vous, au revoir.